Salut les loulous, c'est la grenouille de YouTube. On se retrouve pour faire un prank à ma chérie avec du dadju grand bain. Alors, je sais qu'elle aime beaucoup dadju, mais je sais pas si elle a écouté cette musique au complet. Je sais qu'elle l'a déjà écoutée sur TikTok, mais qu'elle aime pas trop cette musique. Du coup, je suis au courant à peu près pour savoir qu'elle l'aime pas beaucoup. Et du coup, eh ben voilà, je pense qu'elle connaît pas la musique. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? On va y envoyer ça. Le mieux, on s'est envoyé plein de photos avant. C'est parce que j'aime beaucoup ma chérie. Bref, elle a eu un nouveau téléphone. Non, j'ai un nouveau téléphone plutôt. J'ai un nouveau téléphone et du coup, bah, fallait qu'on s'envoie nos photos pour que j'aie les photos dans mon nouveau téléphone. Du coup, on s'est envoyé les photos. Bref, voilà. Je raconte ma vie, mais en même temps, elle met du temps à répondre. Marie, je suis pauvre, je t'aime. Enfin, moi aussi, ma chérie. Bébé veut des marmots, elle veut que je l'emmène à la mairie. Non, c'est mignon ça. Est-ce que tu veux que je t'emmène à la mairie, ma chérie? Alors, elle va me répondre quoi, ma petite chérie? T'as intérêt de répondre gentiment. Bref, on est le soir, du coup, bah, si vous voyez en qualité un peu nulle, désolé. Mais voilà, on est le soir. Et si vous voulez, je vais allumer ma lumière. Oui, je pense même que je vais allumer ma lumière le temps qu'elle ne me répond pas. Parce que mademoiselle, vous savez, elle met du temps à répondre. Et du coup, je vais me mettre dans mon canapé. Mon canapé comme à l'hôpital. Voilà, du coup, je vous fais un petit tuto de mon canapé, hein, le temps qu'elle répond pas. Tranquille. Ça faisait longtemps que tu me passes. Hein? Ça fait longtemps que je veux que tu me passes la bague. Oh, t'es mignonne toi des fois. Au doigt. Allez, on va lui dire quoi? C'est celle qu'il faut présenter à Yama. C'est celle qu'il faut présenter. J'ai changé un peu la phrase. Je vais mettre. À la maman. Pas si j'ai le droit de changer la phrase, mais je l'ai un peu changé. Voilà. Et oui, j'ai un fauteuil comme les lits à l'hôpital là. J'ai la télécommande. Oui, c'est un fauteuil qui est dans ma chambre. Et bim, là, j'appuie. Et ça fait tout. Ça déchire, hein, ouais. Ça déchire. Moi, je kiffe en tout cas. Normalement, là, il y a une putain de qualité. Normalement, vous voyez super bien. Bref. Ah, c'est pas ta maman que tu m'as présentée. C'est celle qu'il me faut. Je dois la présenter à la maman. Ah, bah si, c'est ta maman. Ah, oui, bah oui. Faut aller charbonner pour éviter de bégayer. Mais quand je disais la maman, je pensais à toi. Enfin, les enfants, faut que je les présente à la maman. Enfin. Non, bah non, bah en fait, je suis bête, en fait, tout simplement. Dis-toi juste que je suis bête, bébé. Bah allez, au boulot. Bah je fais quoi là? Hein? On me prend quand? Ça fait du boulot, hein. C'est une nuit ou deux ou bien rien jusqu'à la fin. Il y a moyen qu'elle grille avec ça parce que genre. C'est des trucs de TikTok. Là, c'est vraiment la phrase de TikTok. Mais vu que je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été sur TikTok, à part pour faire des TikTok, et ben je pense qu'elle va pas capter. J'espère. D'ailleurs, mes lèvres, ils sont gercés. Faut que je m'achète un bob. Je ferai disparaître tes soucis. Bon, les bébés, tu réponds, tu mets du temps à répondre en vrai, bébé. J'ai envie de te fracasser. J'ai envie de te fracasser la tête, là. Tu mets trop longtemps à répondre. Tu mets trop de temps à répondre, bébé. T'es sérieuse, là? Je vais taper. Bébé, je vais taper. Bon, bah, on va lui renvoyer ça. Ferai disparaître tes soucis.
À mon avis, elle est en train de se demander si c'est pas la musique. Bah oui, juste à la main. Mais pourquoi tu utilises la phrase de Je vais écrire. C'est parce j'aime cette phrase. Elle a cramé que c'était la phrase, mais elle a pas cramé que c'était le texte. Elle a cramé que c'était la phrase à Dadju, mais elle a pas cramé pour l'instant que je parlais avec le texte de Dadju. Je vais mettre par peur de faire foirer les projets. Après, je vais changer de musique. Parce que là, je pense qu'elle a cramé que je mettais des phrases de Dadju. Du coup, on va mettre Dadju. Jaloux. Ça fait hyper longtemps qu'on ne l'a pas écouté ensemble. Du coup, je pense que ça fait grave longtemps qu'elle ne l'a pas écouté. Je vais mettre je ne sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je crois qu'elle a cramé, hein. Je crois qu'elle a cramé. Mais elle cogite pas que c'est un prank. Elle nous a pas encore dit que c'était un prank pour l'instant. On va changer de chanteur parce que maintenant elle a cogité que je prenais des phrases de Dadju. Elle a pas cogité que c'était un prank, mais elle a cogité que c'était du Dadju. Du coup, je peux prendre qui en chanteur à moi? M-A-2. Ah bah non, je suis bête. Gritza. Pardon. Je sais pas pourquoi, pardon. Je vais mettre sans perdre espoir. Si je t'aime, je suis jaloux. Ah là, elle a un peu grillé. Ah, elle m'a grillé. Hein. Ça. C'est un peu parti en cacahuète là. Elle m'a grillé. Mais non, t'avais pas le droit, bébé. T'as pas le droit de me griller. En même temps, si c'est Dadju. Est-ce qu'elle va piger au moins que c'est un prank? Je sais que je parle. Enfin, elle sait que je parle avec des phrases de Dadju, mais est-ce qu'elle sait que c'est un prank? Je te demande pardon. Est-ce qu'elle va cogiter que c'est pardon, Dritza? Elle écoute jamais cette musique. Littéralement, elle écoute jamais cette musique. C'est pour ça que j'ai pris pardon. J'ai remonté la pente. J'ai tiré le point. Sans le faire savoir. Je vais mettre ça. Mais non, tu vois pas, bébé. C'est pas gentil de tuer les gens. C'est pas gentil d'être méchant. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit, bébé, c'est pas gentil d'être méchant.
pour tout ce que j'ai pu faire. Elle est en train de s'énerver, ma petite chérie. Faut pas t'énerver comme ça, hein. Viens au octogone, sinon. Énerve-toi pas comme ça. Hein. C'est pas bien de s'énerver. Faut pas s'énerver comme ça. C'est pas bien de s'énerver, bébé. J'ai tendu la main souvent. Je vais mettre ça. On va essayer, on va voir. À ma cramée que d'adjou, mais t'inquiète, on est là pour prendre notre revanche. Elle a pas compris que c'était un prank pour l'instant. Le temps qu'elle comprend pas, le prank n'est pas fini. Elle a pas compris, le prank n'est pas encore fini. Quoi, toi? Tu veux te battre? Vas-y, viens, on se bat, bébé. Octogone sans règles, tu connais, hein. Algérie, Tunisie, Maroc, ton pays, hein? Le Maroc, ton pays. Non, je sais pas si je suis comme ça. T'en vas pas, je suis là. On va mettre ça. On va attendre qu'elle réponde. Après, quand elle aura répondu, on va mettre. M'en veux pas, je suis comme ça. Dis-moi qui es-tu pour me juger? Même si j'ai fait du mal et j'étais blessé. Si tu savais ce que j'ai eu, ce que j'ai laissé. On va mettre ça. Hein. J'aimerais crier. Bébé, réponds. En vrai, t'es chiante. Hein. Tu réponds en une heure. Tu mets une heure à répondre. Sérieux, bébé. Ça fait longtemps que je t'ai pas prank. Donc, à mon avis, tu te doutes pas que c'est un prank. Alors, pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Vraiment. Sérieusement. Mais sérieusement. Tu m'énerves, je vais te taper. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Elle est énervée en fait. C'est le jeu que j'ai pu sur moi. T'as été dodo avec une meuf. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, on va mettre ça. On va prendre ma chérie. Mais je pense, je sais pas, c'est bizarre. Elle a toujours pas cogité. C'est bizarre. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas prank qu'elle a carrément dû oublier que avant je la prankais quasi tout le temps. Ma pauvre chérie. Tu vas prendre cher pendant 2 semaines ensemble. Bon, ça, il va s'en passer des pranks. Je vais te jeter un verre d'eau à la gueule, tu vas rien comprendre. Prank, je réveille ma chérie avec un verre d'eau. Ça peut être bien, non? Inch'Allah, faut le faire. On le fera, t'inquiète.
On verra. Est-ce qu'elle a cogité que c'était du riz? Est-ce qu'elle a cogité? Je pense que après son dernier message, là, je vais lui dire. Moi aussi, mais je t'ai pranké. Je t'aime, bébé. Je t'aime, mais je t'ai pranké. Désolé, mais je t'aime. Mais je t'aime, mais je t'ai pas envie, mais je t'aime. Et là, tu avais compris ou pas? Est-ce qu'elle avait compris le chanteur c'était? Non, tu m'as promis. Il y avait Dadju et Rizza. C'était un prank pour notre chaîne YouTube. Dis bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés, mon cœur. Bref, abonnez-vous. Voilà, allez, dis le mot de fin. Bisous. Au revoir, les abonnés. Et merci à vous tous.